Darinfo.com, le portail de Saint-Louis. Oui, c'est une instance au niveau de la commune. C'est la délégation communale qui se réunit au niveau des responsables de cette instance pour plancher sur un plan d'action par rapport aux échéances électorales à venir, notamment les législatives. Les six prochains mois, comment nous allons dérouler nos activités à Saint-Louis et en articulation, en rapport avec nos partenaires de Benon Bokéyakar que nous allons rencontrer ultérieurement. Nous allons aussi saisir cette occasion pour demander aux responsables présents d'inciter les citoyens en général et les militants de l'AFP en particulier à s'inscrire sur les listes électorales afin de consolider notre démocratie, de l'apaiser davantage et surtout par rapport au contexte, au pluriel, c'est pas que nous connaissons dans la sous-région et dans le monde en général. Nous ont interpellés dans le même sens et nous profitons de cette occasion que vous nous offrez pas pour demander aux autorités compétentes d'augmenter le nombre de commissions à Saint-Louis pour accélérer le rythme des inscriptions. De faire là aussi la publicité aussi pour que les citoyens en général s'inscrivent. Nous, de notre côté, les partis, nous sommes en train de faire le nécessaire. Vous voyez, ces responsables-là peuvent être saisis dans ce sens. Et ces efforts-là conjugués devraient corriger cet état de fait. Mais nous allons être présents et qualitativement présents avec des ambitions en rapport avec le profil de notre parti, notamment à Saint-Louis. Nous allons donc nous organiser pour avoir une présence utile et en rapport avec nos partenaires de Benon Bokéyakar. Parce qu'il va sans dire que nous allons nous employer à traduire en acte les décisions de notre parti pour consolider la coalition de coalition qu'est Benon Bokéyakar, une super coalition gagnante qui jusqu'ici a raflé la mise, il n'y a pas encore eu d'exception, et je pense que les prochaines élections législatives ne constitueront pas une exception à la matière. Vous avez vu de nouvelles têtes ici autour de moi. Moi-même, je suis un nouveau responsable. Et vous avez vu que le profil du parti est en train de changer à Saint-Louis. Et naturellement, ces changements-là vont entraîner une autre qualité, une qualité supérieure de la présence politique de notre parti à Saint-Louis, notamment au sein de Benon Bokéyakar. Ce n'est pas de la prétention, c'est par rapport à la réalité du terrain. Et vous allez vous en rendre compte, pendant les prochains mois, nous allons dérouler nos activités en crescendo. Et vous-même, en tant que journaliste, vous pourrez apprécier objectivement. Moi, Kourelou, délégation communale de Saint-Louis. Mu jité ko mom le professeur Bouna Mohamed Seck. Ñu and ci di liggéey. Présenté na suñu camarade yi nga xamné ñom lañu nekkal. Instance yépp ngi fi, femme yaangi fi, jeune yaangi fi, le secrétaire politique ngi fi, suñu ay yaay ñepp ngi ci biir salle bi. Instance bobu di délégation communale kon mo woté dajé pour waxtan. Fexé bé djuroom bénn wér yi nga xamni ci lañu fassiyéné djëm inshallah rabbi ñu waxtaan ci ak suñu ay camarade xol naka lañ ci démé ak jam lépp luy échéance ñu wacc ko alliance des forces de progrès AFP nek parti bu nga xamni jot ngeen ko remarquer ci wér yi nga xamni wessu na mën na né sax ci xeyna at mi nga xamni wessu na ni mu nek ci ay loxo yu bess non lañu lon la nek yi ci ben yoon bi nga xamni moy jëm ko deugëral jëm koy yaatal feddeli
nekam ci bir benno bokk yakar fexé bé li nga xamni ñu ci nek fi mu nek ni di liguey politique yego yi ñi fassiyene sekh ñu sekhi ko camarade yi ko bokal xam fu ñu jëm ndax at bi di 2017 xam ngeen ko dafa nek at bu nga xamni at bu bare ay activité la at bu laaj parti waaj la ci biir yit ben coalition bi nga xamni moy benno bokk yakar ndax info.com l'information en temps réel.